Allez, Chine, Chine. Chine, un À nos moment mille. À nos mille. exceptionnel. Oh oui, alors à nos mille. À nos Mince, mille. ça tremble, j'ai tapé la table, Oh, pardon. mais c'est pas grave. Mille C'est abonnés. l'émotion. On n'a même pas eu le temps de lancer le jeu des Oui, 1000 ouais. abonnés. Eh bien, ils y ont déjà. Maintenant, c'est Domino qui tremble à table. Et les 1000 abonnés, vous êtes déjà là. Merci. Ça veut dire entre hier soir, minuit à peu près, et ce matin, 9h30, on a Ouais. eu 10 abonnés de plus. Parce qu'hier soir, on Ouais. était à 80, 996, et ce matin, on est à 1006. Mais c'est génial! 1006. 1006 même! Merci! Merci à vous. Franchement, mais merci de tout. Des fois, c'est vrai que vous dites des choses qui nous plaisent pas, Des fois, mais ça nous agace un peu, des ouais, fois, ça nous certaines agace un remarques. peu. Mais nous, finalement, on vous dit des choses aussi qui doivent vous agacer un peu Certainement aussi. aussi, ouais. Mais ça nous montre à quel point, ben, oui, nous sommes dans une relation, dans une vraie relation, Entre nous vous et nous, deux, ouais, bien avec sûr, vous et bien tout. sûr, Et bien sûr. vraiment, c'est super, super Ouais. gentil de votre part à tous de nous suivre. Oui. Alors, suite à tout ce qui s'est passé de la vidéo d'hier, le GPS camping-car, le GPS poids Poids lourd, lourd. moi je le veux bien, hein, si vous me Ah l'offrez. ouais. Je n'ai pas 400, 500 euros pour m'acheter ce Non. type de Ouais, GPS. parce qu'en plus, il faut l'appareil qui va avec. Et nous, on n'a pas d'appareil à part. Nous, on n'a pas de GPS à part. On s'en sert de Here We Go, quoi, Ben qui oui. est l'équivalent de Google Maps, voilà, qui est lié directement avec Park4Night. Oui. Et on s'en sert de ça. On n'a pas de GPS à part. On Non. a, mais pourquoi faire? Et puis, Je ne vois pas vraiment l'utilité. non, c'est à moi de faire attention, c'est à moi Tout simplement. de ne pas aller à fond Ouais. en me disant. Alors vous me dites, Crissa, Crissa, oui, elle m'a sauvée. Crissa, elle m'a sauvée. L'inconvénient, le contre-coup d'avoir une Crissa dans sa vie, C'est quand que des même. fois on fait des choses inconsidérées. Voilà. Oh, il y a Christa derrière, elle va me sauver. Oh. Ou non, ou Crissa me met la pression. Parce que Mais justement, non! Crissa est tellement douée. Crissa est tellement à l'aise. Crissa, elle sait tellement faire plein, plein de choses par rapport à moi, que moi, ça me met la Suis pression. pas là. C'est ça que vous ne voyez pas en contre-coup. Suis pas là. Et la petite Vous route, voyez? oui, Non, j'aurais je dû vois. l'éviter. Oui, j'aurais pas dû écouter le GPS. Oui, là, c'est marqué Mais stupide. Ou non, loca, mais folle. non, mais Mais non. quelque part, des fois, je fais des choses en me disant, oui, mais Crissa, elle va me dire que c'est facile. Ou Non, Crissa, elle le non, fait facilement. non, Et ça non, me met aussi la pression quand non, même. ouais, non, non, il y a des Mais endroits où alors j'évite, tout elle simplement. me le dit pas. Mais des fois, quand elle me regarde avec ses grands yeux bleus, qu'elle me dit, Elle se mais met la pression pourquoi t'as fait ça? elle-même. Elle se Mais met la pression elle-même. Elle se met la pression elle-même. Non, mais c'est toujours pareil. J'ai appris ça il y a longtemps. C'est ce qui est logique pour moi, n'est pas forcément logique pour les autres. ben non. Tu vois? Moi, j'aurais vu, je vous avais dit, mon GPS m'a envoyé exactement au même endroit. Dans la même route, le même truc minuscule. Je l'avais mis en route le GPS, donc, enfin, je l'ai laissé continuer là Oui. en allant te rejoindre. Donc, il m'a dit, mais tournez à droite et tout de suite tournez à gauche. Ouais, d'accord. Toute seule, moi, j'aurais pas tourné, tout Voilà. simplement. C'est Et moi, tout. j'ai tourné en me disant, mais je suis sûre que Christa après va se moquer de moi si je le Mais fais non, pas. Et mais non, voilà mais quoi. non, mais Mais non, bon, mais c'est pas grave. Et j'insiste, mais vraiment. Je ne le dirai pas encore assez et tout, parce qu'il y a certaines personnes qui semblent dire, bon, quelque part, bah, tu t'es foutu dans la merde, c'est ta faute, t'as choisi ce genre de vie, etc. Eh ben, ça fait partie de la vie, hein. Je suis désolée, ça fait partie de l'aventure, hein. j'ai pas de Tout regrets, hein. simplement, hein. Mais j'ai pas une seconde même de regrets.
j'ai paniqué pour ma maison à roulettes. C'est mon style de vie. Après, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ouais. Bon, ça. Voilà. Moi, je suis une femme qui vit dans un camping-car. Voilà, tout simplement. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais après, au contraire. Ça te fait une expérience de plus. Ce matin, avec l'apaisement, le recul, je me dis, mais encore une fois, ça ne me fait que me confirmer à quel point. Mais cette vie, elle me tient dans les tripes. Ouais. Et je n'en changerai pour rien. Parce que sinon, tu n'aurais pas eu cette peur viscérale pour Coquelicot. Voilà. Tout simplement. Mais totalement. Tout simplement. Après tout, j'ai un accident. Je suis assurée à 100%. Ils m'auraient remboursé, bon, pas beaucoup, mais je m'en fous, peu importe le truc. Mais c'est un prêt. Renvoyé la grue. Quand j'ai vu la route, je me suis dit, mais comment il veut faire passer une grue dans cette rue? Non, mais elle était mignonne, la dame, mais bon. Ouais. Mais n'empêche que, mine de rien, mais jamais. Vous l'entendez, l'avion? Voilà. Ouais, il y en a 4-5 par heure, c'est tout, donc c'est pas. Ça va. Mais bon, jamais. Non. Tu abandonneras? Ah non. Non. Il n'en est même pas question. C'est pas parce que j'ai vécu quelque chose comme ça que là maintenant je vais me dire, oh purée, j'ai pas bien choisi, j'allais me coconner dans ma maison. J'avais pris un jour aussi bêtement, c'était dans le sud, sur la côte méditerranéenne, quelque part, la côte d'Azur, quelque part par là. Mais là aussi, le GPS, il m'a envoyé tourner à gauche. Moi, bêtement, j'ai tourné à gauche. Et oui, je me suis retrouvée dans une route, sur une route qui était à peu près la même largeur. J'ai eu la chance que je croisais personne. Ouais. Hein? Deuxième chance, c'était plat. C'était plutôt vers la Camargue, donc c'était assez plat. On voyait très loin, parce qu'en fait, ça traversait les vignes. Mmh. Donc, on voyait très loin s'il y a un véhicule qui arrivait en face. Et bien, j'ai fait, je ne sais pas, 10 km sur une route qui n'était vraiment pas plus large que Foxy. Et après, je me suis dit, mais là, franchement, tu aurais fait comment si tu aurais croisé quelqu'un? Ouais. Oh, mais c'est pas... L'handicap que tu avais, c'est que ça grimpait vraiment à cet endroit-là. Ouais. Ah oui. Parce que si c'est dans le plat, tu négocies ton virage sans problème. Il y a une des personnes qui a dit, tu aurais pu faire des photos, vidéos et tout. Oui. Très franchement. À ce moment-là, tu ne penses pas. Voilà. Tu penses pas. Je pense que certaines personnes ne se rendent pas compte ce que c'est que vraiment la peur, panique. Oui. Je n'arrivais plus à réfléchir, je tremblais comme une feuille, j'arrivais à peine à parler tellement j'avais la mâchoire qui tremblait. C'est pour ça que j'arrivais à peine à parler à Christa. Ouais. C'est vraiment la peur. Oui, ça m'a effleuré l'esprit. Mais c'était pas pour vous, je vous le dis honnêtement. Oui, je voulais le faire, mais c'était pour Christine, pour que Christa voit dans quelle situation j'étais. C'était pas pour les abonnés, c'était pas pour le fun, c'était pour lui montrer, oui, je suis dans la merde. C'était même pas moi qui est dans la merde, c'est Coquelicot qui est dans la merde. Donc il y a des moments, voilà. Et en plus, après, là maintenant, ça me fait rire un peu, parce que moi aussi, tout de suite, j'ai mes idées, je me fais la télé dans la tête, quand même. Elle m'a dit, mais je suis dans le vide, Coquelicot est dans le vide, il va tomber. Alors, quand tu m'as dit ça, c'est la montagne, moi, dans le vide, pour moi, dans ma tête, c'est une falaise qui descendait, je ne sais pas, plusieurs centaines de mètres. Mais, oui. Mais en fait, non, ce n'était que un muret d'un mètre d'auteur. Oui. Mais ça aurait gravement abîmé Coquelicot, ça c'est sûr et certain. Par contre, je suis très triste. Ah oui. Parce que, Coquelicot, c'est vrai que vous êtes intervenus tous, vous avez parlé de Coquelicot et tout. Et ma vedette préférée, et Domino et ben voilà. Qui a fait son parcours. Voilà. Il a fait son petit parcours. Hein. Et mon Titi qui a fait son parcours. Voilà. Qui a voulu copier sur Harley, son copain Harley. Bon, t'as oublié. Bon, alors du coup, on va quand même faire le live. On va faire le live quand même, bien sûr. On va vous dire la date, on vous dira. Peut-être un soir, ce sera peut-être plus facile. Peut-être ce week-end. Ouais. On ne va pas le faire dans 10 ans, hein, vous inquiétez pas. Non. Mais là, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui. On va
on va pas le faire en pleine semaine, on va attendre le week-end. Oui, on va attendre le week-end, le soir. Dites-nous un samedi, peu si vous voulez. Là, je vais lancer vite fait la vidéo. Si vous voulez des informations, si vous voulez plein de choses, le descriptif. Maintenant, je vais le dire, parce que vous n'y pensez pas. J'ai l'impression que vous n'y pensez pas. Non. Que toutes les explications sont là. Oui, il y a notre adresse mail commune. Il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez. Et si jamais dans la liste du matériel qu'on a, on a oublié quelque chose, vous nous le dites, etc. Bon, allez, l'aventure continue. Mais il n'est même pas question que j'arrête. Mais j'ai même pas une seconde d'hésitation. Je vous le dis, je vous le redis. Alors oui, là, je vais me poser un petit peu. Voilà. Parce que, bon, là, j'ai vraiment besoin de travailler quand même. Ouais. Hein. Parce que là, c'est vrai que j'ai pris quelques petits jours de congé. Là, ça suffit. Je vais me poser un petit peu. Dû au manque du réseau aussi. Oui, j'avais pas du tout de réseau. Ouais, essentiellement. Et puis toi, tu vas aller visiter Bilbao. Je vais aller visiter Bilbao. Je vais faire un zeste de tourisme. Et j'ai vu sur le plan, il y a un joli plan affiché là, juste à l'entrée de l'aire de camping-car. Et apparemment, juste en haut, là, il y a un genre de... Il y a une église ou un cloître ou quelque chose comme ça. Il y a un genre de château aussi. Mmh. Je vais aller faire un petit tour aussi dans le petit village où nous sommes là. Voilà. Il y a peut-être des choses à voir aussi. Donc, voilà. Encore une fois, merci. Bon, maintenant, je vais continuer mon petit déjeuner. Hein. Allez, bonne journée. Je vous envoie vite la vidéo. Salut.